Bonjour et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est 21h05, heure locale. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Quelle joie de vous savoir aussi nombreux. Veuillez nous excuser pour ce retard. L'émission a eu un tout petit peu de retard parce que il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Et il faut tout organiser, il faut tout gérer. Et voilà, le Seigneur est en train de nous aider de plus en plus. En tout cas, merci à tous les frères et sœurs, merci à tous les défenseurs de la sainte doctrine, à tous les enfants de Dieu, à tous ceux et celles qui et à toutes celles qui aiment le Seigneur, qui aiment la vérité, qui prient pour l'Église, le corps de Christ, et qui prient pour les nations et pour Israël également. Père, au nom de Yeshua, nous te prions, merci pour ces instants, Seigneur. Conduis-nous par ton Saint-Esprit, dirige nos cœurs, nos pensées vers ta lumière, Adonai, Dieu d'Israël. Au nom de Yeshua, notre Maître, nous te prions, Dieu de gloire. Amen. Voilà, mes amis, et depuis que je suis rentré de Brazzaville, j'ai pas eu le temps de vous faire un petit bilan, hein, un bilan de cette mission. Vous avez été nombreux à prier pour nous. Et la mission s'est très très bien déroulée. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup beaucoup de conversions, particulièrement beaucoup de baptêmes et beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles. Et ce jeune homme notamment qui était muet et n'est-ce pas sourd de naissance et que le Seigneur a touché, n'est-ce pas? Et voilà. Donc il y a eu également beaucoup de jeunes filles, notamment, qui ont confessé des choses terribles par rapport à la sorcellerie, notamment quelques-unes qui ont confessé des choses terribles par rapport à leur sortie astrale sous les eaux, n'est-ce pas, pour travailler avec la sirène des eaux, avec Mami Wata. Il y a eu également beaucoup d'autres personnes que le Seigneur a touchées. Et voilà, en tout cas, globalement, cette mission a été un temps d'encouragement pour chacun de nous et je tiens particulièrement, personnellement, à dire merci au Seigneur, notre Père, Yeshua, notre Seigneur, à dire merci également aux frères et sœurs qui nous ont, à Brazzaville, encouragés, des frères et sœurs de la RDC Congo, également à Kinshasa, qui étaient venus, qui nous ont encouragés. Également, ceux qui sont venus de Libreville, ils étaient aussi nombreux, 4 personnes qui sont venues de Libreville pour aussi prendre part à cette mission, que Dieu soit béni. Et également ceux et celles qui sont venus depuis Pointe-Noire. Donc vous êtes très nombreux là-bas, Pointe-Noire, à exiger une mission. Donc soyez aussi fortifiés, encouragés au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alors je ne sais pas si l'équipe technique peut nous balancer juste un extrait de celui qui était sourd. Si on peut retrouver cette vidéo, si c'est possible, hein, mais sinon c'est pas bien grave. Et donc c'était une belle surprise, hein, et puis voilà, donc le Seigneur est fidèle. Et vous allez voir également un couple a été touché là-bas pour touché par le Seigneur, et ce couple nous a cédé carrément des locaux pour mettre en place nos bureaux, hein, un centre de formation. Voilà, donc là, vous voyez un peu les images. Je ne sais pas si on voit les images là. Donc, je pense que c'est ce que l'on voit à la maison chez les gens. C'est bon, l'image passe. Voilà, ce jeune homme en, je pense, voilà, ce jeune homme là qui était sourd et muet de naissance. Et le Seigneur travaille. Dieu est grand. Hein, donc pendant que les chiens aboient, ben, la caravane continue à faire son chemin. Voilà, donc vous savez, les chiens qui aboient, ils aboient parce qu'ils s'ennuient, hein, parce qu'ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien à dire. Et la caravane passe. Dieu, entre temps, guérit les gens. Et nous voulons aussi voir les gens que Dieu guérit au travers de leur service. Parce que notre Dieu ne se limite pas seulement à la parole. Notre Dieu dit que la terre, n'est-ce pas, que la terre apparaisse, la terre est apparue. Vous voyez, donc il y a la parole qui sort et il y a la matérialisation de cette parole. Donc un ministère qui s'arrête seulement à la parole invisible, ce n'est pas un ministère de Dieu. Donc il faut qu'il y ait la concrétisation de la parole. Et c'est ce que nous allons partager justement ce soir. C'est pour cela que vous pouvez inviter vos amis parce qu'on va parler justement de la démonstration de la puissance de Dieu
par le ministère, n'est-ce pas, le ministère, au travail du ministère d'Élie. Hein? Donc, on va partager cette parole-là que le Seigneur nous a inspirée aujourd'hui. Donc là, au nom de Yeshua, voilà, Dieu travaille au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. On va mettre le son, c'est bon, le son? Voilà, parfait. Qui croit que le Seigneur peut ressusciter? C'est qui croit, non? Je crois, bon. Bien sûr. Dis papa. Papa. Oh. Alléluia. Pour sa tête, Dieu restaure les choses, répare les choses. Au nom de Yeshua. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Papa. Jésus fait. Papa. Maman. Maman. Yaya. Yaya. Dans la joie, gloire à Dieu, voilà. Oh, la puissance de Dieu, voilà. Donc là, ça commence bien l'émission, hein. On commence par la démonstration de la puissance de Dieu. C'est là que ça coince avec les faux, parce qu'ils n'ont que les blablabla, la parole, et encore quelle parole. Et là, notre Dieu agit, notre Dieu manifeste sa puissance, sa gloire. Et le peuple a besoin de voir la démonstration de la puissance de Dieu pour reconnaître que Dieu n'a pas changé. Voilà, mes amis. Et c'est ça notre force. C'est pas de l'orgueil, hein. C'est l'assurance, c'est la joie, parce que nous sommes fiers de notre Dieu, hein, du fait que il agit encore. Comme dans Jean 9, hein, cet homme aveugle de naissance que le Seigneur a guéri. Voilà. Donc, on va voir maintenant le monsieur qui était handicapé, hein, qui était paralysé là. Et voilà. Donc, voyez, frères et sœurs, comment Dieu travaille dans les cœurs des uns des autres, comment Dieu restaure des vies. Et c'est ça l'évangile. Voilà. Donc, toujours. Les extraits de la mission à Brazzaville. Et d'ailleurs, pour votre information, une nouvelle mission aura lieu toujours au Congo-Brazzaville au mois d'avril. Et voilà. Donc là, ce monsieur en blanc, paralysé. Depuis quand? Depuis un mois. Pendant un mois, il a été malade. Et donc, il a du mal à marcher. Et maintenant, il fallait prier notre Dieu pour qu'il soit guéri. Parce que dénoncer le péché, on veut le faire, on le fera, on le fera encore. Dénoncer Babylone, c'est clair, mais on ne peut pas s'arrêter sur la dénonciation. Il faut la démonstration de la puissance. Le peuple ne va pas manger la dénonciation tout le temps. Il faut la puissance. Voilà, on dénonce et puis on montre aux frères et sœurs les œuvres de Dieu. Voilà, chrétiens, s'il n'y a pas ça, ben, comprenez que les gars, là, les gens, là, ils ne sont pas de Dieu. La vie de vrai, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne dis pas que tous les miracles sont... Tous ceux qui font des miracles, ils sont de Dieu. C'est pas ça, notre message. Mais nous disons que nous ne pouvons pas non plus nier le fait que Dieu guérit encore. Dieu délivre encore. Alors la puissance de Dieu qui touche son corps, au nom de Yeshua, les esprits de paralysie s'en vont dans son corps sur lui, et Dieu est guéri. Au nom de Yeshua. Gloire à Dieu. Jésus, Jésus,
va passer à autre chose. Jésus. Et les baptêmes, je ne sais pas si on a ces extraits. Donc on va passer, ou s'il n'y a pas les baptêmes, là, c'est pas grave, on va revenir sur le plateau. Merci l'équipe technique. Donc pendant que Laurent prépare autre chose. Ben, les frères et sœurs de Brazzaville, vous voyez mes amis, hein, l'engouement, hein, les frères et sœurs encouragés, fortifiés. On était comme des enfants. Et vous voyez cette salle à laquelle nous sommes, c'est un peu plus qu'on s'aider gratuitement. C'est des locaux, des bureaux qui sont donnés pour mettre en place, n'est-ce pas, un centre de formation à Brazzaville. Les frères et sœurs qui sont à Brazzaville, nous avons désormais un centre de formation biblique. Vous verrez tous les détails après. Voilà, mes amis, le Seigneur est en train de fortifier son peuple, encourager son peuple. Et au moment qu'il est sûr, notre Seigneur le sauveur, alléluia, gloire à Dieu. Voilà, les amis. Donc, on va revenir sur le plateau. Merci. Voilà, donc, le Seigneur a encouragé les gens, le Seigneur a encouragé ses frères et sœurs. Vous avez pu voir, il y a beaucoup d'autres choses. Hein, donc, demain, je pense que vous aurez d'autres extraits. On vous montrera également les locaux qu'on nous a offerts là-bas, parce qu'on nous a donné les clés donc, pour pouvoir mettre en place notre centre de formation à Brazzaville. Donc voilà, donc le Seigneur soit béni pour l'œuvre qu'il accomplit. Et merci à tous les frères et sœurs de Brazza qui nous ont beaucoup, beaucoup fortifiés, encouragés. Donc, de nouveau, on repart à Brazzaville au mois d'avril. Et cette fois-ci, Dieu veut encore nous étonner. Merci Seigneur. Voilà. Donc, alors je ne sais pas si les autres extraits de Brazza sont encore... Ou demain, je pense qu'on va... Voilà, donc on va vous montrer les locaux qui nous sont offerts. Voilà, donc je viens d'avoir l'équipe technique là, on vient d'avoir cette image là. Comme ça, vous allez voir vous-même, frères et sœurs, l'œuvre que le Seigneur accomplit, à Brazza notamment, comment le Seigneur travaille. Et pendant que les chiens aboient, la caravane passe. Voilà, dites-leur, ben, où sont vos œuvres? Il faut leur poser la question, chrétien, où sont vos œuvres? Il faut faire les œuvres, et c'est ça. Nous sommes sur le mont Carmel, le Dieu... Mes amis, qui agit, le Dieu vivant démontre sa puissance. Et c'est ça l'évangile. C'est pas de l'orgueil, frère. Non, parce qu'on a mal compris l'église. Et Paul dit, il y en a qui ne veulent pas me voir chez eux, dans 1 Corinthiens 4. Il dit, je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont, n'est-ce pas, levés. Et c'est ça l'évangile. Donc on va prendre cette parole-là, dans 1 Corinthiens chapitre 4. L'évangile, c'est pas seulement la prédication ou l'enseignement, c'est aussi la démonstration de la puissance de Dieu. Donc, et c'est ça l'évangile, mes amis, c'est à cela que Dieu nous appelle. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 4, je veux vous lire et, le verset, à partir du verset 18. Or, quelques-uns se sont glorifiés comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai rapidement chez vous, si le Seigneur le veut. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont glorifiés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ah oui, c'est pas Paul, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui nous l'apprend. La parole de Dieu, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ben oui. Il y en a qui ne voulaient pas voir Paul parce qu'ils disaient Paul est charnel, Paul n'est pas de Dieu, Paul est un faux apôtre. Paul dit ok. Vous ne voulez pas que j'aille chez vous, mais j'irai quand même rapidement, si Dieu le veut, gloire à Dieu, et je connaîtrai non les paroles. Parce qu'à un moment donné, il faut, mes amis, ajouter aux paroles les actes. À un moment donné, même tout le temps, il faut que les paroles soient accompagnées d'actes. Et Paul pouvait défendre son apostolat en disant, d'ailleurs il le faisait souvent, « Voici les preuves de mon apostolat ». Qui ont, n'est-ce pas, éclaté parmi vous, qui ont été manifestés au milieu de vous par une patience, par des délivrances, par des guérisons, tout ça. Et la parole, c'est ça. Nous sommes dans une génération où les gens ont soif. Les gens sont fatigués des églises. Les gens sont fatigués des histoires, des cancans ici et là. Les gens veulent voir Dieu.
Voilà. Et il faut, justement, mes amis, que la puissance de Dieu soit là. Et s'il n'y a pas la puissance de Dieu, ben, les gens vont parler comme des barbares ici et là. Nous ne voulons plus, mes amis, nous voulons voir Dieu à l'œuvre. Voilà. Donc là, on va vous montrer les locaux qui nous sont offerts à Brazzaville. Et gloire à Dieu. Voyez comment Dieu bâtit son œuvre. Nous avons pu recevoir de la part du Seigneur parce que nous savons que c'est lui. Je ne sais pas s'il y a le son. Qui nous a donné un endroit. Un endroit pour que la formation puisse donner. Mais juste une parenthèse, Paul et Silas ont prêché l'évangile. Ils ont été persécutés, ils ont été calomniés. On a dit beaucoup de choses contre eux alors qu'ils prêchaient la vérité. Mais le Seigneur, dans sa fidélité, il a ouvert les portes de la prison. Et c'est une image que je veux présenter, comme pour cette salle de formation qui nous est donnée. Le Seigneur nous a donné cette salle et cette porte a été complètement ouverte par la volonté du Seigneur Jésus. Et c'est dans cette salle qui nous a été donné par un homme et une femme qui craignent le Seigneur pour que la formation des disciples, la formation des hommes et des femmes qui veulent connaître Jésus et une formation gratuite a été donnée. Venez et entrons et regardons ce que le Seigneur nous a donné dans cette salle. Juste pour dire que ce matin, il y a eu la première formation ici à Brazzaville, un centre de formation en Afrique centrale, le premier. Et c'est ici que ça s'est déroulé. Il y a eu plusieurs frères et sœurs de Brazzaville, de Libreville, de Kinshasa et de Pointe-Noire qui sont venus et qui ont assisté ce matin à une formation qui a été donnée. La formation a été donnée gratuitement et on a parlé de Jésus, uniquement de Jésus. Vraiment, nous voulons bénir le Seigneur pour cet espace qu'il nous a donné. Et nous savons qu'avec l'amour du Seigneur, nous allons le garder et faire un bon témoignage de ce qu'il a donné. Mais à part cet espace, frères et sœurs, il y a autre chose. Donc nous allons le découvrir ensemble pour que vous puissiez voir que le Seigneur est fidèle avec ceux qui l'honorent véritablement. Donc il y a des locaux dans cet endroit. Il y a 5 bureaux. 5 bureaux qui ont été donnés. Dans ces bureaux, nous pourrons faire plusieurs choses. Il pourra avoir une bibliothèque, il pourra avoir un lieu pour enregistrement, il pourra avoir tout ce qu'il voudrait, tout ce qu'on pourra faire comme travail, faire des documents, vraiment pour la gloire du Seigneur. Donc nous avons un bureau déjà ici. Je vais ouvrir celui-là. C'est un bureau qui est... où il y a déjà un bureau, il y a des fauteuils, des sièges. Ce n'est pas des sièges de bishop. Tout le monde pourra venir s'asseoir et pourra venir travailler à l'intérieur. Donc voici déjà un des bureaux. Nous avons commencé déjà à essayer de travailler, de mettre quelques matériels pour que le royaume avance. Parce que notre priorité, comme vous le savez, c'est de voir le royaume de Jésus avancer. Donc après le premier bureau, il y a ce second bureau. Et tout est prêt. La fidélité de Dieu nous étonne et nous sommes surpris. Voici ce que Dieu fait. Un deuxième bureau encore qui a été donné. Et tout cela gratuitement. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour l'œuvre de la croix, pour ce qu'il fait. Vraiment, Dieu honore ce qu'il honore et nous voulons continuer à l'honorer et à le craindre. C'est notre Jésus. Et je vais vous présenter encore un troisième bureau. Un troisième bureau. Frères et sœurs, celui-là. Un troisième bureau pour la gloire du Seigneur. Avec des séparations. Donc, des projets différents que le Seigneur est en train déjà de nous montrer, de nous équiper. Parce qu'il est vraiment le Dieu de la multitude. Et que lorsqu'il donne et lorsqu'il envoie, il équipe véritablement. Et voici un quatrième bureau. Un quatrième bureau. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Vraiment, c'est avec une joie. C'est avec une joie de voir comment Dieu travaille. Vraiment, Dieu aime Brazzaville. Et tous les hommes et les femmes de Brazzaville, du Congo, nous prions pour que vous puissiez saisir ce que Dieu est en train de faire dans cette nation. Ce que Dieu a prévu pour les Congolais. Et même, je voudrais dire, pour toute la sous-région, parce que ça va être un centre de formation. Des frères et des sœurs pourront venir pour donner, pour enseigner, pour partager, et tout cela gratuitement. Et voici enfin le cinquième bureau. Tout cela pour la gloire de Jésus. Donc, frères et sœurs,
Nous vous encourageons à continuer à prier pour cette nation, à prier pour les autorités, à prier pour les hommes et les femmes de pouvoir, parce que nous savons qu'eux aussi ils ont besoin du Seigneur et que le Seigneur est capable de les toucher. Une salle vraiment merveilleuse, équipée de deux splits qui nous permettra de travailler correctement. Avec un salon pour recevoir les frères et les sœurs, tout cela a été donné gratuitement. Nous prions que le peuple du Congo qui sera là pour s'occuper de cette salle puisse l'utiliser pour la gloire du Seigneur et faire un usage correct, important, afin que le témoignage, que le nom de Jésus soit élevé et que d'autres personnes comprennent que Dieu est capable de faire de grandes choses. Que là où on se dit que c'est difficile, que c'est compliqué. Là, mes amis, vous avez pu voir, hein, donc ça c'est, ce n'est pas tout. Il y a plein d'autres choses que Dieu nous a, n'est-ce pas, accordées hein, au Congo-Brazzaville. C'est glorieux. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a appelé, si quelqu'un, voilà, et, s'il y a des frères et sœurs qui veulent appeler pour témoigner, hein, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez nous appeler ce soir. Et on a encore quelques minutes parce qu'après, il va y avoir un enseignement. C'est glorieux. Voilà. Donc, il y a d'abord Libreville, le Gabon, que le Seigneur a touché, visité. Tout le pays presque est touché aujourd'hui par le message du retour à la parole, préparer l'église à l'enlèvement. Ensuite, il y a aujourd'hui le Congo-Brazzaville que le Seigneur est en train de toucher. Ça va très vite. Gloire à Dieu. On voit ce réveil se répandre. Maintenant, c'est des villes, c'est des pays entiers que Dieu visite. C'est aussi des personnes responsables des pays que Dieu touche, qui disent venez et prêchez ce message sans compromission. Prêchez ce message et des visas qui sont donnés gratuitement, frères et sœurs. Je tiens à vous le dire. Des visas qui nous sont donnés gratuitement par des responsables des villes, des pays, et qui disent venez apporter cet évangile. Et on sent que les portes sont grandement ouvertes et c'est magnifique. C'est magnifique. Je suis encore allé ce matin dans une ambassade d'un pays africain et reçu par le responsable presque de l'ambassade en disant voilà, le visa t'est donné gratuitement et voilà, que le message soit prêché dans mon pays. Et c'est magnifique de voir combien Dieu est grand, combien Dieu ouvre des portes, n'est-ce pas, et pour que l'évangile soit touché, soit proclamé et que de cœur soit touché. Mes amis, il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses. Et vous voyez, quand on voit toutes ces choses-là, mes amis, on ne peut pas être dans la distraction par rapport aux uns ou par rapport aux dires des uns des autres. Il faut travailler. Nous sommes au temps du travail. Il faut travailler. Travailler encore pour le Seigneur parce que la moisson est grande, la moisson est là. Et hein, il faut que les choses bougent au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Donc, le premier centre de formation a été, on va l'inaugurer au mois d'avril. Donc, le premier centre de formation en Afrique centrale, ça va être à Brazzaville. Alors, des frères et sœurs de Brazzaville, si vous êtes connectés ce soir, vous pouvez nous appeler hein, pour donner toute la gloire au Seigneur, pour bénir le Seigneur. Et donc, il y aura des gens qui viendront de toute l'Afrique centrale, toute l'Afrique, pour se former dans ce centre-là. En tout cas, on est en train de s'organiser dans ce sens. Et une chaîne également de télé va être mise en place dans un des pays de l'Afrique centrale. Et une chaîne de télé normale qui va être... on vous donnera d'autres informations, en tout cas, dans les prochains jours. Dieu est en train de nous surprendre. Quand le Seigneur nous a donné ce message, on ne s'attendait pas à ce que de telles portes s'ouvrent. Mais là, ce que Dieu nous dit, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le début. Et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment glorieux de voir l'œuvre du Père se faire ainsi. Des cœurs qui se tournent vers le Seigneur. Des âmes qui sont libérées, guéries au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Dieu est grand. Donc, vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez au 01 64 98 90 45. 01 64 98 90 45 au nom de Yeshua. Que Dieu vous garde, mes amis, en tout cas. Et je pense qu'on est tous fortifiés, encouragés par la puissance de l'évangile. Que Dieu soit béni.